Donc, the introduction, we strongly believe that the skills for communication and mediation create the classroom atmosphere. Any language acquisition relies on opportunities to use the language in interaction with other speakers and effective structure of communication skills in the classroom. This is what we as teachers call course design. In addition to this, language learners should also be great risk takers, especially when the course targets two main functions: get adapted to the EFL as a specific communicative tool and be able to translate from one language into another where reflection, flexibility and skills are mostly required. Donc tout simplement, nous allons nous intéresser dans notre communication à l'aspect traduction dans l'enseignement de l'anglais sur objectif spécifique. So concerning the background of the study, according to Lorenzo Fiorito, English for specific purposes is learning the language in order to communicate a set of professional skills and to perform particular job-related functions. An ESP program is therefore built on the assessment of purposes and needs and the functions for which English is required. As a matter of fact, we clearly understand that ESP concentrates more on language in context than on teaching grammar and language structures, emphasizes on the development of reading, speaking and writing skills in students. Nous avons commencé notre communication par une définition de l'anglais sur objectif spécifique qui est un anglais qui est lié au à la vie professionnelle d'un chacun, c'est-à-dire la langue utilisée dans la vie professionnelle. C'est pour cela qu'un programme en anglais de spécialité doit d'abord et surtout se base sur les besoins et pour quelles fonctions nous allons utiliser cette langue. Pour cela, nous pouvons dire que l'anglais sur objectif spécifique se concentre plus sur l'enseignement dans la langue, dans son contexte et si nous comparons entre l'anglais enseigné dans l'anglais général et l'anglais sur objectif spécifique, nous pouvons voir que la différence, c'est que l'anglais sur objectif spécifique se concentre plus sur l'anglais utilisé dans un contexte bien défini. Donc, sans plus tarder, moi je ne vais pas parler de la théorie parce que tout ça, vous pouvez vous en informer à travers vos lectures, etc. Veux-tu faire passer le... Donc, quand je vous ai dit, j'ai été moi-même vers, toujours dans le port de Béjaïa, la capitainerie, où ils ont exprimé leurs besoins dans des gens dont la compétence dans la traduction est fortement appréciée. Donc, c'est des tableaux, des tableaux. Stop. Donc, Maritime Field Main Activities Clients, j'ai vu, pour désigner un cours ou désigner un programme, on doit avoir un certain background, des informations dans ce milieu-là. Donc, dans le Maritime Field, nous avons les clients, all the maritime communities, sailors, des marins, companies, des compagnies, consignments, des agences de consigne, des agences de transit, ok, import-export. Et merci Dieu, j'ai des membres de la famille qui travaillent et dans la capitainerie et dans les agences de transit, donc je sais de quoi je parle. Puisque moi-même, j'envoie nos étudiants faire leur stage dans ces deux endroits. Donc pour la nationalité, almost all the nationalities. Nous pouvons avoir n'importe quelle nationalité du monde entier. Motherland language, different languages. Il y a des gens, c'est des Russes qui essaient de parler en anglais, qui essaient de parler en français, des Turcs, de toutes les nationalités. Language of communication. Qu'est-ce que j'ai mis là-bas? With foreigners, English and SMCP. Ça, c'est un langage codé de la marine. Ok? Je ne peux pas vous dire que c'est un code
mais c'est un langage, c'est une langue qui s'apprend, qui s'écrit. Dans les means of communication, nous avons les radio VHF, radio very high, very H high, F frequencies. Ils ont des emails, des téléphones et ils ont des written messages. Les messages écrits sous forme de télégraphe, télégramme, etc. C'est des very short messages. Go on. Donc ça, c'est le marché que j'ai fait. Mon couffin est plein. Je rentre à l'université, je travaille avec des étudiants. La population se forme de 360 étudiants en Master 2 et ESPI. L'environnement, c'est la salle des centres de calcul, voilà. Et available materials, nous avons des computers, the internet, dictionaries, the main text for the activity. Donc quand je rentre avec mon marché, je vais préparer mon plat avec mes étudiants. Je leur dis, voilà, vous avez un texte en français que vous allez traduire en anglais ou vice-versa. Donc la population, le corpus si vous voulez, c'est 15 étudiants parmi nos meilleurs étudiants, c'est-à-dire ceux qui parlent couramment, ceux qui écrivent correctement. The task, an ESP maritime text in French to translate into English. Donc nous avons établi un plan de travail et ils doivent se baser sur les concepts suivants. Reading for information, ils doivent lire pour avoir plus d'informations, des connaissances, de la compréhension, souligner les mots difficiles, souligner ou bien faire une liste, établir une liste des mots-clés, donner une couleur différente par rapport au thème familier, au terme étrange, etc. On leur a même offert une traduction en ligne, c'est-à-dire utiliser le Reverso, Google Reverso, etc. Translation using dictionaries, drafting and revising, editing personal production, and, j'ai pas encore terminé, and words. Donc, vous avez remarqué, le plan de travail, il est là. C'est de ça, normalement, qu'un cours de traduction en anglais doit se faire. Sur cette table de travail, nous avons 0 personnes qui lisent, 2 qui lisent pour la compréhension, 2 pour souligner les mots difficiles, 0, 0, 0. Vous voyez que les résultats sont vraiment très fameux, très encourageants. D'accord ? Donc, notre réaction, integrating ESP into translation as an interrelated discipline needs much thinking. On doit réfléchir, planifier, analyser et prendre des décisions. The most important fact is that there is actually no target field specialized practitioners. À travers cette petite expérimentation, nous avons, c'est-à-dire c'est une chose que nous savions déjà, mais on avait besoin d'avoir la certitude que nous n'avons pas d'enseignants spécialisés dans ce domaine. Merci. Madame Cressy. So one of the most important observation is that l'observation principale qui ressort de ce travail, c'est que nos étudiants ont tendance à aller vers la facilité, c'est-à-dire utiliser la traduction online. D'après les données que Madame Maouch vient de commenter, nous avons 15 qui utilisent directement la traduction online.
Et Dieu sait que la traduction online nous donne certainement pas vraiment le texte fidèle à l'original. Donc on peut se retrouver avec des traductions complètement à côté de la plaque, excusez-moi du terme, mais il faut dire que nos étudiants vont vers cette facilité. Sur les 15 étudiants sélectionnés, la plupart ont préféré, au lieu d'utiliser toutes les consignes que Mme Maouche a bien expliquées, c'est-à-dire souligner les mots difficiles, retrouver les mots auxquels on est habitué, les 15 se sont rués directement sur le Google pour avoir la traduction intégrale du texte, ce qui ne facilite pas vraiment la tâche pour apprendre l'anglais bien ciblé, c'est-à-dire l'anglais pour le domaine maritime. Donc, en guise de conclusion, the integration of translation and ESP in class offers both learners and teachers many opportunities. Continuous development in and of language skills, as we believe that translation is one of the main skills in translation, since it is presented with a specialized register used in a specific context, can be achieved in well-designed and structured environment and conditions, as an interlingual textual and contextual strategy, and approach. This requires a basic interrelation aspect of several skills, bearing in mind the suggested recommendations for a successful ESP translation course design. It is, according to us, a complex, and efforts requiring process, but through continuous practices and working plans, this issue cannot but bring more progress in the target disciplines. Only one thing to end and to close the debate or the presentation. I would like you to focus your attention to the title of the workshop. It is called or entitled Language in the Socio-Economic Field. It means that we, as delivering the language, teaching and learning, must go towards the field and check for the needs of our learners. Thank you very much for your attention. Thank you very much.